Salut, je m'appelle Evan et je suis cette année en bilicence allemand et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. C'est une bilicence qui intègre aussi une prépa, donc une prépa qui prépare au concours d'entrée aux IUP. J'ai choisi cette licence parce qu'elle touche différents domaines, notamment les relations internationales ou bien même le journalisme. Je ne sais pas encore exactement dans quel métier je compte me diriger après ma formation, mais je sais que ça touchera du moins ce domaine. Durant mon année universitaire, j'ai pu exercer le module Habitus, auquel on m'a proposé justement d'être ambassadeur de l'ICP. Alors ambassadeur, qu'est-ce que c'est? C'est aller au contact, aller à la rencontre de différentes personnes. J'ai eu la chance justement de pouvoir être ambassadeur dans mon ancien lycée, une expérience qui m'a renvoyé un an avant, à la place justement des lycéens qui sont vraiment en recherche, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire et puis qui se posent des questions sur leur orientation. Ça m'a permis justement de les analyser, de pouvoir répondre à leurs questions, d'échanger, d'apprendre aussi d'eux et de pouvoir aussi parler aux parents. Au final, ça a été une expérience très enrichissante qui m'a permis d'affirmer mes différents choix, affirmer ma formation et surtout de comprendre pourquoi j'ai fait certains choix. Bonjour, je m'appelle Jadel Marbou, j'ai bientôt 20 ans. Et cette année, je passe en troisième année de licence mention droit, parcours droit public et sciences politiques à l'Institut catholique de Paris. En première année, j'ai effectué un stage au tribunal d'instance de La Rochelle, mais c'était un petit tribunal, et en vue vraiment de parfaire mon orientation et de voir si le métier de magistrat me correspondait toujours, j'ai effectué cet été un stage au tribunal de grande instance de Bergerac, où j'ai pu suivre les magistrats et les greffiers tout au long de leur journée, de 8h à 21h, pendant les audiences et même les pauses café. J'ai vraiment eu une vraie prise de conscience grâce au module Habitus, où on a travaillé sur nos ancres de motivation. C'est des outils qui nous permettent de choisir un métier plutôt qu'un autre. Par exemple, de travailler à la maison ou en équipe, de partir à l'étranger ou au contraire d'avoir une certaine sécurité de l'emploi avec par exemple la fonction publique. Et donc au cours de mes recherches et sur le terrain, je me suis rendu compte que le métier de magistrat ne me correspondait plus trop. En effet, c'est un métier beaucoup trop statique pour moi et en même temps empreint de beaucoup de misère et de violence. Néanmoins, je voulais vraiment garder cet esprit décisionnel et ce côté humain. Et je me suis vite rendu compte que le métier des ressources humaines me correspondait beaucoup plus. En effet, je veux vraiment aller au travail avec le sourire et être entourée de bonnes ondes. Salut, je m'appelle Raphaël Garcio, j'ai 19 ans et je suis étudiant en histoire-géographie à l'Institut catholique de Paris et en économie et gestion à la faculté Jean Monnet à Sceaux. Je suis arrivé dans les études professionnelles avec comme projet de m'orienter vers les métiers de l'optimisation, aussi bien de processus que de méthodes que d'actions, pour les acteurs privés et publics. J'avais donc un certain nombre de voies qui s'offraient à moi, et notamment grâce au forum ICP Entreprise, j'ai pu affiner mon projet professionnel en éliminant certains métiers, notamment ceux de la finance publique. Mais j'ai également pu mener un stage d'une durée de 1 mois dans un cabinet de conseil en organisation en management en juin 2017, où j'ai été chargé de recrutement et où j'ai dû trouver des candidats, préparer, mener des entretiens, publier des offres sur des sites internet, mais également cartographier des risques et participer, et j'ai pu participer à des formations théoriques et pratiques sur les métiers du conseil en management et en organisation, ce qui m'a permis de sélectionner l'une des deux voies qui se fera à moi. Soit je vais m'orienter vers le conseil en organisation et management, soit la gestion de risque, et je pense que je vais plutôt m'orienter vers la gestion de risque, car ce stage m'a permis de voir que le conseil en organisation et en management n'était pas assez concret pour moi. Je pense que la gestion de risque, en revanche, l'est, et que la gestion de risque, pour moi, est synonyme d'équilibre et donc plus en accord avec mes valeurs, puisque j'estime que je suis un homme d'équilibre. Bonjour, je m'appelle Clémentine, je suis étudiante à l'ISP, en faculté d'éducation. Je vais vous raconter une expérience de stage qui a été marquante pour moi. C'était un stage dans le cadre de ma formation pour devenir professeur des écoles. Ce stage, je l'ai volontairement fait dans une zone d'éducation prioritaire en maternelle. Et je me suis rendu compte dans ce stage que les parents pouvaient devenir totalement absents de l'éducation de leurs enfants, que la communication entre parents et professeurs pouvait devenir compliquée.
et que les difficultés éducatives et sociales pouvaient apparaître bientôt dans la jeunesse. Et ça a remis totalement en question mon projet professionnel. Je ne voulais plus être la professeure qui seulement enseignait. J'aimerais devenir l'éducatrice qui intervient dans leur vie. Donc c'est pour ça que je m'orienterai vers une formation d'éducatrice spécialisée pour justement pouvoir les aider au mieux et aider leur entourage à trouver une voie qui leur corresponde au mieux pour évoluer dans la vie. Et j'ai encore beaucoup de réflexions à penser sur ce sujet. Et le cours de formalisation à l'ISP nous aide justement à poser des mots sur ce type de questions. Et ce cours m'aide aussi à savoir quel type de professionnel je souhaite devenir et comment je souhaite aider au mieux ces jeunes. Je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et je viens de terminer ma licence en sciences sociales, économiques et politiques à l'ICP. J'ai pu mener pas mal d'expériences associatives, que ce soit au sein de l'association sportive, l'association d'œnologie et la FEDE. Ça m'a aussi permis d'y associer ma passion, la musique, puisque j'ai pu monter deux groupes et donner plusieurs concerts, organiser plusieurs événements et les animer. Et je me suis découvert une vraie passion donc, pour tout ce qui était événementiel et organisation, et donc découvrir que je n'étais pas timide. Alors que je l'ai toujours cru. Et au-delà de ça, grâce au module Habitus, j'ai pu me rendre compte que ce que je pensais être des loisirs me permettait de développer des vraies compétences professionnelles que je peux mettre en avant sur un CV. Et que toutes les discussions que j'avais, les échanges, les amitiés que je me faisais, étaient en fait la vraie constitution d'un réseau professionnel qui m'ont permis de me conforter dans mon choix de carrière, puisque je veux devenir chef de projet dans la musique au sein d'un label ou d'un collectif. C'est pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers un master de management des industries créatives. Bonjour, je m'appelle Ilan, j'ai 20 ans, je suis actuellement en troisième année de droit et de sciences politiques à l'Institut catholique de Paris et j'aimerais m'orienter vers la fonction d'avocat. Grâce à la fac, j'ai pu découvrir de nombreuses choses, comme les associations. J'ai appris ce qu'était de créer une association, de la faire évoluer, de travailler avec plusieurs types de personnes en fonction des caractères, des plus ou moins autoritaires, des plus ou moins intransigeants, des sanguins, des calmes, mener à bien des projets, puis évidemment assumer les répercussions que les projets peuvent avoir. C'est aussi ça le travail de président. Et toutes ces expériences m'ont permis de vouloir m'engager, je dirais, à une autre échelle, m'engager un peu plus pour les autres et plus seulement pour ce que j'avais voulu créer, parce que ce n'était peut-être plus ma place. Et j'ai voulu apporter toute cette expérience à toutes les associations. Donc j'ai voulu devenir président de la fédération, ce qui est le cas cette année. Cela me permet de travailler avec les multiples groupes de personnes qui sont sur le campus, de les aider, de les épauler, et puis au final, peut-être de les découvrir un peu plus. Au fond, je pense que c'est l'essentiel de ce parcours. C'est d'avoir, déjà intellectuellement, puisqu'il y a les cours en parallèle de la vie associative, appris à mieux cerner les enjeux actuels pour mieux anticiper l'avenir, et puis à la fois aussi humainement, puisque j'ai pu vraiment découvrir les gens. Je ne reste plus focalisé sur ce qui pourrait être des a priori, mais au contraire, je les découvre et j'ai pu créer de belles amitiés grâce à cela. Et au final, c'est peut-être l'apport définitif, c'est d'être un vrai adulte. Bonjour, moi c'est Léa Gosselin, j'ai 19 ans, je passe en deuxième année de langues étrangères appliquées. Et je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais je sais que mon métier il sera en rapport avec ma passion. Et ma passion, c'est la moto. Donc cette passion, elle vient de quand j'étais toute petite au centre de loisirs. Il y avait une activité avec des mini-motos. Et donc après cette semaine d'activité à mini-moto, et bah, j'ai su que plus tard, bah, j'aurai une moto. Et donc en lien avec le module Habitus, j'ai dû rédiger une fiche métier. Et donc cette fiche métier m'a permis de faire des recherches sur internet sur les métiers de la moto autres que pilote et mécano. Et donc les deux métiers qui sont sortis un peu du lot, c'était ceux de journaliste essayiste moto. Donc c'est quelqu'un qui va tester les modèles de moto qui viennent de sortir et qui va rédiger des articles de presse qui vont être publiés après soit sur internet, soit dans des revues spécialisées moto. Et donc le deuxième métier qui est un petit peu sorti du lot, c'était celui de conceptrice de road trip, moto toujours.
Donc le but, c'est d'organiser des voyages en moto, en France ou alors à l'étranger, pour plusieurs personnes, tout ça. Et donc le lien avec ma licence, ça va être pour le métier de journaliste essayiste, ça va être le débouché du journalisme, tout simplement, à la fin de la licence. Et pour le métier de conceptrice de road trip, ça va être toute la dimension internationale. Donc voilà, si on organise des road trips hors territoire français ou Europe, il faudra parler d'autres langues que le français. Donc voilà, dans tous les cas, que ce soit journaliste essayiste ou conceptrice de road trip, dans tous les cas, mon métier plus tard, il se passera dehors et il y aura des motos. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Ginaba, j'ai 20 ans et j'entre en troisième année de licence de droit public et de sciences politiques à la FAS. Je vais vous raconter l'expérience qui a probablement le plus façonné mon parcours professionnel, associatif et universitaire au sein de la CATO. C'était la présidence d'une liste de BDE. Alors qu'est-ce que c'est un BDE? Déjà, c'est le bureau des élèves, l'association qui s'occupe de l'ambiance et de l'activité étudiante au sein de l'université. Et les listes sont les équipes d'élèves qui s'affrontent durant une semaine de campagne pour décrocher les rênes de cette association l'année d'après. La campagne a donc lieu en avril pour l'année suivante. Qu'est-ce que j'ai appris en étant président? J'ai appris plusieurs types de compétences. Tout d'abord déjà dans la réflexion, c'est-à-dire l'élaboration d'une stratégie de communication, l'élaboration d'un plan, on va dire, marketing, qui soit visuel, la création d'une identité, finalement. Et le plan plus pratique, c'était le contact avec les gens. Je dirais à la fois le contact avec l'électorat, si je peux dire ça. C'est-à-dire le contact avec les élèves de la CATO, qu'on devait à la fois séduire, mais à la fois sincèrement convaincre du bien fondé de notre programme. J'ai appris aussi, ça apprenait beaucoup l'empathie. On devait aller voir des gens qui n'avaient rien à voir et dont l'intérêt pour une semaine de campagne et l'intérêt pour le BDE parfois était extrêmement minime. Alors devoir capter leur attention et échanger leur vote contre autre chose demandait beaucoup de ces compétences de contact. Donc de l'empathie, du management, de l'organisation, de la ténacité, une extrême rigueur. Oui, se lever tôt en période de vacances. Et même plus qu'en cours. Tout ça, je l'ai appris, tout ça en l'occurrence, enfin, entre autres, je l'ai appris dans cette liste. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous en parle? C'est par rapport au module Habitus et au projet professionnel. Ce sont rapidement quelques heures qui m'ont permis de capitaliser mes connaissances, de transformer mes expériences en richesse pour savoir où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'avais fait, où est-ce que je voulais aller finalement, qui je voulais être, qu'est-ce que je voudrais présenter à un recruteur. Et donc, ces temps de réflexion que j'ai pu avoir m'ont permis de trouver ma voie qui se trouve, j'espère, à Sciences Po, puis plus tard dans les concours de l'administration et la communication politique. Bonjour, je m'appelle Paul, je suis étudiant à l'ICP en troisième année d'histoire-géographie. Donc, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est l'histoire contemporaine et les conflits du XXe siècle. Je me suis toujours intéressé au journalisme et j'ai pu découvrir d'ailleurs l'année dernière lors du forum ICP Entreprise qui a eu lieu en décembre, je crois, différents journalistes qui nous ont dispensé des conférences sur des sujets tels que la politique, l'actualité ou encore la culture. Et je me suis rendu compte en fait que je pouvais faire un stage entre ma L2 et ma L3. Et c'est mon accompagnateur Habitus qui me l'a bien fait comprendre et qui m'a aidé à ça. Donc j'ai effectué un stage au Figaro littéraire entre juin et juillet dernier. Et j'ai pu, lors de cette expérience, rédiger différents articles sur le web. Et ça m'a vraiment d'ailleurs permis de me responsabiliser dans le sens où, contrairement à la fac, j'ai pu produire quelque chose qui venait de moi-même, car je pouvais choisir mes sujets, etc. Ça m'a aussi permis, en fait, durant les comités rédactionnels, de rencontrer le chef qui s'occupait de la politique et de l'international au Figaro, avec qui j'ai toujours un contact aujourd'hui. Et c'est vraiment dans cette branche, en fait, que j'ai envie de travailler plus tard. Donc, cette année, je finis ma licence à l'ICP. Et par la suite, j'aimerais effectuer un master de journalisme international. Voilà. Donc...